nous sommes à l'entrée du site du CME. Nous sommes deux jours d'ouverture du pèlerinage annuel. Donc je voulais vous faire partager un peu comment les gens viennent. Nous sommes à l'entrée du site. Il y a les préparatifs. Là, une grande banderole sera mise ici pour accueillir donc les pèlerins. Vous savez, demain, vous venez ici à cette heure-ci. C'est ce qui sera encore beaucoup plus de monde. Ce n'est que la préparation. Nous sommes aujourd'hui le 22, puisqu'il y a le début. Le synode a commencé ce matin, le 22 décembre. Voilà, donc je voulais vous montrer un peu comment ça se prépare. Tout à l'heure, je vais aller en profondeur sur le site même. Nous sommes à l'entrée du site. Je vais aller en profondeur pour vous montrer comment ça se fait ici. Voilà, donc c'est pour cela. Merci. Alors, c'est le pavé qui a été fait juste au site. Donc, j'essaie de vous montrer un peu ce qui est fait. Nous sommes sur la route principale qui sera bondée à partir de demain. Demain ce sera le 23, qui sera encore plus bondé qu'actuellement. Ainsi le secteur, donc la voie principale qui mène jusqu'à l'esplanade. D'une journée se prépare pour s'installer. Ça c'est MTN, c'est une zone MTN, donc c'est pour vendre les compères aux gens. Donc ceux qui arrivent au pèlerinage, qui ont besoin de forfaits, ils ont la possibilité d'acheter des forfaits ici. Pourquoi vous avez les stands de MTN, qui sont les premiers sur le réseau, sur la ligne. Ça c'est les MTN, c'est eux qui font des communications.
commence par arriver, leur véhicule. Alors j'ai pris le chemin et pour faire la marche. Taxi talent, ça. Là, on y va sur le site. Et puis, on fait.
pas sur cette question. Bon, on s'approche. Là maintenant, hein, on s'approche. Vous avez les installations. Sont en train d'être faites. Voilà. Les installations sont en train d'être faites. Les objets de culte sont disposés ici. Donc on va jusqu'à l'entrée et puis après nous allons prendre les allées. Si nous avons encore un peu de lumière. C'est juste pour vous montrer les préparatifs. Comment les gens se préparent sur le site pour l'accueil du Christ. Les 24 et 25. Alors je vais rentrer dans un couloir pour vous montrer comment s'installent les paroisses. Les unes à côté des autres. Ce sont des places qui sont données à chaque paroisse, et c'est des frais qui sont payés chaque année pour leur installation et leur exercice de leur paroisse. Et puis vous avez vu, il y a beaucoup de vendeurs ici. Hein. Il y a beaucoup de vendeurs. Ici, on achète des parfums, on achète les objets saints. Voilà. Vous avez vu des parties qui sont faites. Il y a encore, nous sommes toujours dans les préparatifs. Voilà. Il y a les objets qui sont vendus ici. Donc la maman est déjà là pour vendre les objets. Bonjour madame. Donc voilà. Il y a le chandelier, il y a les objets qui sont vendus. J'ai pris une allée simplement pour vous montrer comment s'installent les paroisses. Voilà. Donc, c'est dans le sable. Ça vous rappelle aussi la naissance de Jésus-Christ. Une bergerie. Voilà. Ça, c'est le préparatif. Bon, vous voyez, c'est une allée. Alors, c'est plusieurs hectares. Je ne peux pas parcourir tout, mais je voulais vous montrer simplement comment les préparatifs se font. Voilà. Là, c'est une maman qui vend de l'eau, des poissons, voilà, pour les deux jours. Voilà. Alors, l'aller jusqu'au bout. Certaines paroisses écrivent leur nom sur
leur parcelle. Mais chaque année, ils doivent payer. Qu'on ne fait plus ici, par exemple la communion et l'onction, on ne fait plus ça à ses mains parce que ça occasionne beaucoup de dégâts. Donc c'est pour cela qu'on ne le fait plus ici. Chaque paroisse, évidemment, on va les charger, même prendre la communion au grand hôtel pour aller donner à leurs fidèles dans leur paroisse. Donc, les millions de personnes qui arrivent ici ne vont pas s'aligner pour prendre la communion de la nuit du 24 au 25. Donc, ce sont les rares étrangers qui viennent de la diaspora qui prennent l'onction pendant la période du 24 à la messe de minuit pour éviter tous les tracas, toutes les tracas. Ce sont une bonne décision d'apprécier. Alors, donc, je suis en train de circuler à l'intérieur de la plage. Je suis en train de vous montrer donc les stands que chaque paroisse, les paroisses qui ont leur stand. Alors, c'est difficile pour les nouvelles paroisses d'avoir des stands, puisque les anciennes ont déjà leur place réservée depuis des années avec leur. Avec le stèle, ils sont faits en briques, oui, comme des plaques de cimetière, oui. Voilà. Donc, on ne peut pas leur prendre leur place. Sombre déjà. Thank you.
trouvé la place principale, l'hôtel. Tout le monde ne peut pas avoir assez. Je suis avec toi, Calais.